Merci, chers auditeurs, chers téléspirituels de Royal TV Monde. Moi, c'est Maître Spirituel Dao. Dieu est amour et opportunité. Et aujourd'hui, je viens pour vous parler de comment rentrer dans une nouvelle année. En premier lieu, il faut que vous faites une réconciliation autour de vous. La réconciliation, quelqu'un ne reste pas en rancune avec quelqu'un pour rentrer dans la nouvelle année. Donc, il faut la réconciliation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comment entretenir les parents pour bénéficier de l'égrégore d'une nouvelle année? Un homme conscient doit entretenir sa mère. Monsieur Cotillon, qui est le PDG de Royal TV, a une mère. Il a fêté l'anniversaire pour sa maman la fois dernière. Sa maman n'a jamais porté Tiga. Il lui a donné Tiga. Vous avez vu, c'est comme ça qu'on honore les parents à leur vivant. Même s'ils meurent, tu prends Birota, tu partais Birota aux gens, tu l'as déjà enterré vivant. Mon frère, ma soeur, il faut entretenir ta mère. Ta maman, ton papa a besoin d'entretien spirituel, physique. Tu ne dois pas manger et ta maman va dormir affamée. Tu ne dois pas t'habiller et ta maman va rester sans habit. Tu ne dois pas être dans une jolie maison et ta maman se porte dans une maison sous pente branlante ou un taudis. C'est ça qui fait que nous, on vient te voir. Pour dire, mon frère, si tu avais de rancœur avec ta mère, avec ton père, ça n'allait pas entre vous. Va faire la réconciliation entre toi, ton papa et toi. Il faut que tu demandes pardon à papa pour pouvoir bénéficier de son égrégore. Parce que la bénédiction d'un père est capitale. Je vais parler aux femmes, les femmes. C'est vous qui faites que les enfants restent sans aller voir leur père parce que vous racontez tout ce que vous avez vécu avec le monsieur à l'époque aux enfants. Et ça crée des doutes dans leur mental. Donc, s'il vous plaît, maman, évitez de faire ça. Toi, enfant, il ne faut jamais avoir de problème avec ton père. Il ne faut jamais avoir de problème avec ta mère. Il ne faut jamais avoir de problème avec tes parents. Même si le pasteur t'a dit qu'ils sont des grands sorciers ou sorcières, il faut le prier pour eux et toujours être avec eux. Si tu me regardes, je te demande pardon d'aller voir ta maman. Je te demande pardon de donner du bien à ton père et à ta mère. Faites-leur du bien et Dieu te fera du bien. La Bible l'a dit, honore ton père et ta mère, je te ferai du bien. Toi, est-ce que tu as honoré ton père? Est-ce que tu as honoré ta mère? Est-ce que tu as fait du bien à ton père? Est-ce que tu as fait du bien à ta mère? Je te demande pardon. Va voir tes parents. Va voir tes parents. Va voir tes parents. C'est très important. Va voir tes parents, demande-les pardon et il faut que tu puisses bénéficier de l'égrégore de tes parents. Je viens ici pour te dire, nous voulons rentrer dans une nouvelle année, il faut que tu te purifies. Il faut chercher celle d'Ao, celle consacrée d'Ao et comment pas te laver avec ça d'abord. Deuxièmement, il faut que tu puisses faire quelque chose que je vais te dire, c'est le rôle des arts. Je voulais te parler du kit Mon Étoile Brille. Le kit Mon Étoile Brille, c'est un kit spirituel qu'il faut utiliser le 24 au 25 ou du 31 au 1er. C'est un kit que j'ai fabriqué moi-même. Il y a 5 choses dedans. Si tu utilises, tu ne vas plus manquer d'argent, de richesse, de prospérité, de bonheur, de succès dans ta vie. Viens acheter ce kit. Mais pour avoir ce kit, il faut venir le 11 décembre au Hall des Arts. Nous sommes dans la semaine du 11 décembre. Le 11 décembre au Hall des Arts, à partir de 22h jusqu'à l'aube, on va faire ce qu'on appelle activation de richesse, délivrance, purification, invocation du bonheur. Comment bénéficier de l'égrégore des parents? On va t'en parler pour que tu aies à la maison, tu te réconcilies avec eux. Ton papa peut te maudire, ta maman peut te maudire. Si tu ne les as pas fait du mal, ça ne te fera rien. Mon frère, viens au Hall des Arts. Le 11 décembre, à partir de 22h, l'entrée est à 5000 francs. Donnant droit au rituel à faire à l'intérieur de la salle. Mon numéro de téléphone, c'est le 97 14 77 53. 97 14 77 53. Je passe par Royal TV Monde pour te dire, il faut faire la réservation au 97 71 42 34. 97, soit 11, 42, 34, viens à Royal et tu demandes Dao. Tout le monde me connaît. Je suis visionnaire spiritualiste, apôtre, instructeur spirituel, visionnaire. Je suis prêt pour t'accueillir, t'accepter. N'importe quelle religion que tu pratiques, viens le jour-là. Tu vas avoir le salut, le succès, la chance, le bonheur. C'est le rôle des arts de Cotonou. N'oublie pas, dans les 77 comme 12 départements, tu es aux États-Unis, en France, envoie tes soeurs pour voir. Est-ce que c'est réel ce que Royal TV nous a monté comme image? Maître Dao m'appelle, je suis visionnaire. N'importe quel plan spirituel que tu as, contacte-moi. 97 14 77 53 et tu seras sidéré. Il y aura beaucoup de produits spirituels qui seront mis en promotion. Mais il faut venir avec une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau pour charger, pour rentrer avec le succès. Que les bénédictions soient. L'année 2022, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous. Travaillez pour bénéficier de votre liberté et vous aurez la gloire. Mais ne maltraitez pas les femmes. Ne maltraitez pas votre femme. Je vais vous en parler prochainement. Comment entretenir une femme et avoir l'égrégore d'une femme. Que Dieu vous protège. Shalom, shalom.